à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois un samedi matin à 10h pour une nouvelle séance de sport. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous êtes motivés. On va faire quelque chose d'assez spécial qu'on n'a pas encore fait jusque là. Ah, et puis j'allais oublier, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais les présentations. Moi c'est Gwendoline Philippe, triple championne du monde, championne d'Europe et 14 fois championne de France de karaté. Et ça fait maintenant plus d'un an que je suis accompagnée par Publicis Sport dans cette aventure olympique. Et donc c'est un peu eux qui sont à l'initiative de cette séance aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors, pour commencer cette séance de sport, vous aurez juste besoin d'une bonne gourde remplie d'eau, puisque vous allez voir qu'on va transpirer aujourd'hui. Donc à part ça, c'est bon, c'est parti, on va pouvoir commencer. Allez, donc du coup, si c'est parti, j'active ma montre. Je vous laisse vous mettre en face de moi. Et let's go, on sautille. Donc tranquillement, on va commencer. On va venir chauffer autant les membres inférieurs que les membres supérieurs. Puisqu'aujourd'hui, ça va être une séance très globale. Enfin, plutôt complète. Je pense pas que global, ce soit le bon mot. Une séance très complète. Sous forme de circuit. Donc voilà, en fait on va faire plusieurs exercices et donc du coup une fois qu'on aura fini on fera un deuxième tour, etc. Donc voilà, normalement ça risque d'être plutôt sympa. Allez, on commence gauche droite. Allez, tranquillement. Allez, on sautille normalement et tranquillement on va venir échauffer nos abdos en faisant l'araignée. Allez, c'est parti, on descend, hop là, on vient chercher le plus loin possible et on remonte. Allez, on descend, on vient chercher le plus loin possible et on remonte. Allez, c'est reparti. Hop, et on repart encore. Et on remonte. Ok, on va se remettre à sautiller. Donc là, vraiment, petit échauffement très complet pour être capable d'enchaîner après sur la séance. Donc on va venir vraiment mobiliser tout le corps, petit à petit. Allez, gauche-droite, c'est parti. On respire bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On est bon, alors je regarde juste si c'est pas flou. Hop, bon, voilà. Ok, on va repartir sur l'araignée. Allez, c'est reparti. Allez, on descend. On va chercher le plus loin possible. Et on remonte. Allez, c'est reparti. On va chercher le plus loin possible. Et on remonte. Ça, encore une fois. Allez, et on remonte. Allez, c'est reparti. Et on le fait une dernière fois. Allez, on descend. Hop, et on remonte. Ok, allez, on va sautiller. Cette fois-ci, on va partir en jumping jack. Allez, c'est parti. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on respire bien. Allez, on respire. Hein. On essaye de faire des mouvements amples. On essaye, peut-être pourquoi pas, d'aller un peu plus vite.
Voilà, on est quand même toujours dans le réchauffement, donc on n'essaye pas d'être le plus rapide possible. On laisse ça pour après. Allez, tranquillement, on va venir descendre. Vous avez vu, j'alterne jambes et bras pour pas non plus trop solliciter un membre particulier. Donc là, tout simplement, on va venir faire une pompe sur les genoux et ensuite on va étirer nos bras, les fesses le plus vers l'arrière possible, les mains le plus vers l'avant et on repart. On pompe et c'est parti. Je vous laisse aller à votre rythme. On essaie de bien respirer, de vraiment favoriser l'étirement. Alors on essaie vraiment de s'étirer notre dos, nos bras, tout du tout. Allez, on va faire la même chose cette fois-ci. On est hop, une pompe et hop, on vient les talons. On essaie de planter les talons au sol. Allez, allez, on tient, on tient, on tient. Allez, on repart sur les talons, sur les genoux, une pompe et on repart pour le même exercice. On respire bien. Allez, on respire, on respire. Et on repart sur les genoux, une pompe et on remet les fesses en l'air, les jambes tendues et les talons qui vont essayer de se planter au sol. Ok. On repose, on vient se mettre à plat ventre et cette fois-ci on va venir pousser avec les mains en décontractant les fesses, les ischios, les mollets, les pieds. Voilà, on décontracte vraiment toute la partie inférieure de notre corps et on pousse sur nos mains. Allez, on respire bien, on repose et c'est reparti. Allez, on va partir sur un peu de gainage. Allez, dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour le gainage. Allez, on fait attention de ne pas creuser le dos, de ne pas mettre les fesses en l'air. On essaie vraiment d'être une planche. Allez, on respire, on respire, on respire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Allez, tranquillement, on va venir en squat. Dans la foulée, voilà, on enchaîne. Allez, petit squat. Donc, jambes tirées. Cette fois-ci, on va essayer de faire des en jambes très serrées. Voilà. Donc, on essaie de tenir l'équilibre. Allez, on tient. Allez, on tient, on a les jambes serrées, il nous reste 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on écarte un peu les jambes et on va repartir sur 30 secondes de squat. Allez, c'est reparti. Allez, allez, on tient, on respire bien, c'est de l'échauffement. Allez, on est motivé aujourd'hui. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, cette fois-ci, on vient carrément écarter les jambes, on vient mettre les pieds vraiment vers l'extérieur. Et on va recommencer 30 secondes de squat dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Et là, on est solide. Hein. Allez, on respire. Allez, 5, 4, 3, 2.
relâche. Ok, je vous laisse aller boire un petit coup, on s'hydrate tranquillement. Voilà, c'est le début de l'entraînement. On se réveille tout doucement. Donc aujourd'hui, ça va pas être une séance très très longue. Mais ça va être une séance plutôt intense avec des temps de travail courts et des temps de récup qui seront aussi courts. Voilà, donc voici pourquoi je vous ai proposé un petit circuit. Donc allez-y, marchez, levez un petit coup. Alors, je ne veux pas que je sois flou. Ok, génial. Yes. Allez, du coup, je vous propose. Alors, on fera 30 secondes d'exercice. Ensuite, je vous laisserai 10-15 secondes pour souffler. Et on va repartir dans 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On lève une jambe et on vient toucher au sol. Allez, ça fait 1. On repart. 2. Allez, moi je vous donne un rythme, mais allez à votre propre vitesse. Hein. Si vous êtes plus lent, vous êtes plus lent. Après, le but, c'est vraiment pas d'être plus rapide, parce que le but, c'est vraiment d'être dans le contrôle. Hein. Donc, autant il y a des exercices, je vous dis, allez mettre de la vitesse. Là, non. Clairement, il n'y a pas d'intérêt. Allez. 6. 7, 8, 9 et 10. Top, on a tenu les 10. On part pour l'autre jambe, c'est parti. Allez. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, encore deux, on tient, 9 et 10, le dernier. Yes, génial. Allez, on marche un peu, on se détend les jambes. Allez, on va partir sur les mollets. C'est parti. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour les mollets. Allez, on monte vite, on descend doucement, on monte vite, on descend doucement. Et vraiment, on contrôle, hein. En haut, on contrôle. Comme si on bloquait un petit coup en haut et après on descend. Allez, allez, on est solide. On respire bien. Allez, on tient jusqu'au bout. Il nous reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, vraiment ça chauffe bien les mollets. Donc voilà, on décontracte les jambes. Hop. Et on va partir sur des petits squats, donc des petits battements en position squat. Allez, on est parti pour 30 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, allez, on lâche pas. Allez, on est sur l'avant. On respire bien. On respire, hein. Allez, on tient jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on marche. Allez, on détend les jambes vers l'avant, sur le côté. Allez, on va venir descendre maintenant en gainage. Allez, c'est parti. Gainage sur les mains. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui veulent, on peut hop, venir tendre une main, puis tendre l'autre. Pour les autres, on reste en position gainage. Ça sera déjà très bien. Allez, dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, position gainage. Et pour ceux qui veulent, on vient tendre les mains.
Allez, on contracte nos abdos. Allez. On tient. On tient, on tient, on tient. Allez, il reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, allez. On se détend un petit peu pareil, les bras. On peut envoyer vers l'arrière, vers l'avant. Allez, on se détend, hein, vraiment, on se détend. Allez, on va repartir du coup. Hop, sur le dos et on va faire du ciseau, des abdos ciseaux. Voilà, allez, c'est reparti. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on tend les jambes, on serre les abdos et on y va là. Ok, on est bien. Allez, surtout on respire, on n'est pas en apnée sur cet exercice. C'est super important pour tenir sur la durée. On souffle bien. Allez, il nous reste 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on peut rester sur le dos. On relâche quelques minutes. On va faire des crunchs en allant chercher hop sur le côté. Allez, c'est parti. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, let's go, c'est parti. Allez. On souffle bien. Allez, on souffle. Hein. On souffle, on souffle, on souffle. Jusqu'au bout. Allez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on se redresse. Allez, maintenant le pire exercice du monde pour nos cuisses, des squat jumps. Donc je vous rappelle, si vous ne pouvez pas tenir, vous faites un squat normal et un squat sauté. Ok, même deux squats normal et un squat sauté. Voilà, vous gérez. Le but, c'est de tenir. Allez, on part dans 3, 2, 1, allez, c'est parti. Allez, on tient. Allez, ça fait mal. Je sais. Allez, on tient. C'est normal que ce soit dur. Hein. Allez, on tient. Encore, encore, encore. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, allez, on redescend sur le dos, on n'a plus que deux exercices du circuit à faire. Allez, on souffle bien et on va venir lever notre bassin, donc on est sur les talons. Allez, dans 3, 2, 1, allez, on lève. Allez, 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 on tient, on tient, on tient. Allez, on lève ce bassin le plus haut possible. On contracte les fessiers, on contracte les ischios. On contracte également le ventre. Hein. Allez, 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 allez. On tient jusqu'au bout. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, directement. On se met en position fonte. Et comme tout à l'heure, rotation à gauche, rotation à droite. Allez, c'est parti. On commence dans 5 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et on change. On reste 2-3 secondes. Et on change. 2-3 secondes. Et on change. 2-3 secondes. Et on change. Allez, on alterne toujours. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on se redresse, on s'hydrate.
Donc on souffle. Donc vous avez vu, c'est un petit circuit training qui est très complet. On va venir travailler autant les cuisses que les abdos que les bras. Donc ça c'est quelque chose qui est sympa du coup à faire et à refaire. Voilà, quand on a le temps et qu'on ne sait pas trop quoi travailler. Voilà, ça englobe tout, c'est assez général et c'est assez sympa. Allez, on prend vraiment le temps là. On va faire un deuxième tour de circuit. Allez, on donne encore 30 secondes et on battra sur des soulevés de terre à une jambe. Allez, dans 20 secondes, donc on revoit un petit coup avant de redémarrer pour se redonner des forces. On s'hydrate, c'est super important. Et on va repartir dans 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On lève une jambe et on vient toucher au sol. Allez, ça fait 1. On repart. 2. Allez, moi je vous donne un rythme, mais allez à votre propre vitesse. Hein. Si vous êtes plus lent, vous êtes plus lent. Après, le but, c'est vraiment pas d'être plus rapide, parce que le but, c'est vraiment d'être dans le contrôle. Hein. Donc, autant il y a des exercices, je vous dis, allez mettre de la vitesse. Là, non, clairement, il n'y a pas d'intérêt. Allez. 6. 7. 8. 9. Et 10. Top. On a tenu les 10. On part pour l'autre jambe. C'est parti. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, encore deux, on tient. 9 et 10, le dernier. Yes, génial. Allez, on marche un peu, on se détend les jambes. Allez, on va partir sur les mollets. C'est parti. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour les mollets. Allez. On monte vite, on descend doucement. On monte vite, on descend doucement. Et vraiment, on contrôle. Hein. En haut, on contrôle. Comme si on bloquait un petit coup en haut et après on descend. Allez, on est solide. On respire bien. Allez, on tient jusqu'au bout. Il nous reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, vraiment ça chauffe bien les mollets. Donc voilà, on décontracte les jambes. Hop. Et on va partir sur des petits squats. Donc des petits battements en position squat. Allez, on est parti pour 30 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. On lâche pas. Allez, on est sur l'avant. On respire bien. On respire. Hein. Allez, on tient jusqu'au bout. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on marche. Allez, on détend les jambes vers l'avant, sur le côté. Allez, on va venir descendre maintenant en gainage. Allez, c'est parti. Gainage sur les mains. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui veulent, on peut hop, venir tendre une main
puis tendre l'autre. Pour les autres, on reste en position gainage. Ça sera déjà très bien. Allez, dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, position gainage. Et pour ceux qui veulent, on vient tendre les mains. Allez, on contracte nos abdos. On tient, on tient, on tient, on tient. Allez, il reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, allez, on se détend un petit peu pareil, les bras, on peut envoyer vers l'arrière, vers l'avant. Allez, on se détend, hein. Vraiment, on se détend. Allez, on va repartir du coup. Hop, sur le dos et on va faire du ciseau, des abdos ciseaux. Voilà, allez, c'est reparti. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on tend les jambes, on serre les abdos et on y va là. Ok, on est bien. Allez, surtout on respire, on n'est pas en apnée sur cet exercice. C'est super important pour tenir sur la durée. On souffle bien. Allez, il nous reste 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on peut rester sur le dos. On relâche quelques minutes. On va faire des crunchs en allant chercher hop, sur le côté. Allez, c'est parti. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, let's go, c'est parti. Allez. On souffle bien. Allez, on souffle. Hein. On souffle, on souffle, on souffle. Jusqu'au bout. Allez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on se redresse. Allez, maintenant le pire exercice du monde pour nos cuisses, des squat jumps. Donc je vous rappelle, si vous ne pouvez pas tenir, vous faites un squat normal et un squat sauté. Ok, même deux squats normales et un squat sauté. Voilà, vous gérez. Le but, c'est de tenir. Allez, on part dans 3, 2, 1, allez, c'est parti. Allez, on tient. Allez, ça fait mal. Je sais, c'est normal. Allez, on tient. C'est normal que ce soit dur, hein. Allez, on tient. Encore, encore, encore. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, allez. On redescend sur le dos. On n'a plus que deux exercices du circuit à faire. Allez, on souffle bien. Et on va venir lever notre bassin. Donc on est sur les talons. Allez, dans 3, 2, 1. Allez, on lève. Allez, 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 on tient, on tient, on tient. Allez, on lève ce bassin le plus haut possible. On contracte les fessiers, on contracte les ischios. On contracte également le ventre. Hein. Allez, 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 allez. On tient jusqu'au bout. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, directement. On se met en position penche. Et comme tout à l'heure, rotation à gauche, rotation à droite. Allez, c'est parti. On commence dans 5 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et on change. On reste 2-3 secondes. Et on change. 2-3 secondes. Et on change. 2-3 secondes. Et on change. Allez. On alterne toujours. Allez, 5, 4, 3,
2, 1. Et on relâche. Allez, on se redresse. On s'hydrate. Donc là, vous avez vu, on a fait une bonne demi-heure d'entraînement, donc c'est un petit peu plus court que d'habitude, mais au final, on a vraiment travaillé le corps. Donc c'est pour ça peut-être que vous vous sentirez peut-être moins fatigué. À vous de me dire dans les commentaires si vous sentez moins fatigué musculairement que sur les autres séances. Là, la petite différence entre cette séance et puis les autres, c'est que là, on n'a pas ciblé une partie du corps. On a vraiment été dans vraiment dans le global, donc on a vraiment tout travaillé en une séance. Donc c'est possible et c'est vrai que c'est plutôt cool. J'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Donc là, tranquillement, on va venir s'étirer. Hop. On s'étire, donc évitez de rester statique, donc tranquillement, on peut bouger sur le côté, sur l'avant, même si on n'a pas beaucoup d'espace. Allez, on vient changer de bras. Ok, on peut attraper notre jambe droite. Hop, je vais mettre ça à vous. Bon, si j'ai pas d'équipe, si comment vous n'avez pas d'équilibre, il faut travailler. Voilà, du coup, on vient monter notre genou. Voilà. En étirement. Et on vient poser. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Allez. Et on vient poser. On va venir écarter les jambes. Hop, et ici on va venir pousser, incliner et pousser sur la jambe qui est ici là. Hop, on vient pousser dessus pour l'écarter. Allez, on vient changer de jambe. Cette fois-ci, on vient pousser sur celle-ci pour l'écarter. Allez, on tend les jambes. Et cette fois-ci, on va venir chercher en bas. Allez, on laisse vraiment tomber son dos, ses bras. Bon, le but, c'est de mettre les mains à plat au sol. Allez. Vous allez voir que si vous vous décontractez, si vous soufflez tranquillement, petit à petit, votre étirement va être de mieux en mieux. Vous allez pouvoir, par exemple, toucher le sol alors que vous ne pourriez pas le faire ni deux minutes avant. C'est ça qui est cool. Allez, on peut venir chercher un petit peu sur l'avant. Et hop, on vient petit à petit un peu plus sur l'arrière. Hop, sur l'avant. Et ensuite, petit à petit, on vient un peu plus sur l'arrière. Hop, on se dresse. Et on va venir étirer nos muscles. On découvre une jambe, on tend l'autre et on vient chercher avec les doigts, les orteils. Hop, on change de jambe. Et voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la séance, qu'elle vous aura fait plaisir et beaucoup de bien surtout. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez refaire une séance dans la semaine, demain, après-demain, dans 3 jours, 4 jours, donc je vous mets les séances du même genre qu'on a fait les semaines passées en description. Vous pouvez cliquer dessus quand vous voulez, voilà. Et sinon, bah, je vous mets aussi juste un petit peu plus bas les liens de mes IGTV Instagram. Donc c'est des petites séances d'entraînement qui durent entre 5 et 15 minutes et qui vous permettent de cibler une partie de votre corps, même si vous n'avez pas beaucoup de temps ou forcément pas beaucoup de motivation. Donc voilà, c'est plutôt cool comme séance et salut.